Non, je vais pas vous faire un générique très connu à la bouche, mais c'est pas l'envie qui me manque, c'est pour tester les robots cons, j'aime bien. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans une découverte. Oui, je vais découvrir en même temps que vous un shmup. Ce shmup s'appelle Astbreed. Astbreed, c'est un shmup que je vais vous chroniquer normalement dans la semaine du 11, la semaine spéciale méca. Non, j'ai pas mis le visuel de côté, mais j'y pense très fort. Et du coup, bah, ça va être cool parce que pendant toute la semaine, oui, ça va être que des jeux avec des robots géants qui se mettent sur la gueule. Et si vous aimez le genre, bah, franchement, vous allez vous faire plaisir. Vous l'avez aussi? On y va. Bienvenue dans la semaine méca de The Big Gamowski. Une semaine méca. Forcément, il y a des méca, mais il y a du shmup du coup. Et je vais découvrir en même temps que vous Astbreed, qui m'a l'air d'être un fort joli shmup 3D. Bien centré autour des méca. Bien que on imagine que ces créatures sont très habillées pour des pilotes de méca. Est-ce que je connais ce titre? Bah non, pas du tout, je le découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Donc on va aller dans Arrange Mode. It's recommended for first timer like moi. Moi je voudrais bien ouais, un tuto. Hein? Regardez-moi ces beaux petits méca. Ouais. J'aurais dû demander les sous-titres. J'ai le Lucy Shot qui correspond à. Ah, c'est enroulé. Oui. D'accord, je peux loquer. D'accord, c'est le tir courant. Bah, c'était pas la peine de faire un sinoche. Et je peux cancel des boulettes. Mauve, exclusivement mauve. Ah, encore un jeu basé sur les couleurs des tirs. Honte à vous! Tirez-moi dessus, les gars. Sinon, je vous ferai pas voir comment j'ai pas compris. C'est bon? Go back? Go back. D'accord, donc j'ai une zone de lock. Oh, il y a une zone aussi, je peux l'avoir en conique. Et ça, c'est tout avec la pression du stick droit. Waouh. Oh non, de ce jeu. Ah bah je suis surpris, hein, parce que des commandes comme ça, on n'avait pas fait. Hein. Oh, c'est pas mal. Bon, ok, stick droit. Je lock. Ça va être tendu pendant la partie, parce que c'est particulier comme contrôle, je trouve. Oui, bah, plus je loque longtemps, plus j'envoie de la purée, ce qui est normal. Ça, c'est ce que j'avais compris au passage avant. Donc, faut bien penser que si je suis immobile, je fais une sphère, enfin un cercle. Mais si je suis immobile, je fais un cône que je dirige quand j'appuie sur le stick droit. Elle est là, la finesse. Et il faut savoir que le tir dirigé, lui, se charge plus rapidement que le tir dans le cercle, dans le périmètre. Nom de Zeus. Oh, je suis super chaud là pour aller partir directement jouer dans le jeu. C'est vraiment particulier. Blade.
ブレードで敵の撃つ弾を打ち消せるわ。紫色の敵弾と、さらに黄色の敵弾よ。Je peux contrer les jaunes. Ah, j'ai déjà oublié les premières, c'est les mauves. Oh là là, ça va être le bordel. Ça va être super le bordel. Ouais. Oh. Oh. Je crois qu'il va falloir quelques parties pour rien, pour maîtriser un peu les contrôles et mériter ce jeu. Ça va être le bordel sur cet écran. Oh là 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 là, ce bordel. Je vais pas avoir le temps de la regarder la jauge jaune pour être parfaitement honnête. Donc j'ai une super attaque. Qui peut soit me faire une super méga tatane, soit un bouclier. Je pense que c'est si je bouge pas que j'ai le bouclier. Oh, cette attaque de la mort. Ça fait quand même beaucoup de contrôle ça. Parce que c'est à la fois twin stick du coup, si on veut diriger la... On verra en combat, ça va être le bordel. このシールドゲージは一定時間が経過すると回復していくの。ルーキスによる自己修復機能で、おかげで多少の攻撃で沈んだりはしないけど、過信は禁物よ。シールドゲージがなくなるまで攻撃を受け続けると、クロスブリードは撃墜されてしまうわ。また、基本的に敵機との接触程度ではダメージにはならないけど、あと、こうして危険な兆候が見られたら、Dès qu'ils ont une aura rouge, mieux vaut éviter le contact. On y va. On y va les amis. Ah bah c'est parti, hein. Je voulais y aller. Difficulté normale. Je peux faire petite fille un peu. Bon, on va regarder ce qu'il donne déjà en normal. Histoire de savoir les souffrances qui m'attendent. 急増にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分を取り除いてレードユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。あなたがまともに機体を動かしてくれさえすれば、私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわ。あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。
Plus fan service, ça aurait été difficile là. これより、カタパルト設計移送するクロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続、進路クリア、射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロット。ユーハッ。おい、ライブゲット。クロスブリード出るぜ。 Et c'est parti! Ah, moi le mecha, oui, c'est un nouveau, c'est un tout neuf, il faut que je l'essaye. Alors, faut pas que je me rappelle que j'ai plein de fonctions. Oh le bordel! Je suis en train de jongler sur trois boutons de tir différents, les amis, je vous le dis directement quand même. Mon dieu. Ça y va de la boutonnade, je vous le dis, ça y va de la boutonnade, un peu cher. Moi je mouline les gars. Oula. Alors j'imagine que vous entendez super bien le pad qui est en train de grincer. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un schmuck où il fallait utiliser autant de boutons. Et le truc de surcroît est en 3D, mais il est bien foutu, hein. On sait toujours sur quel plan on se trouve, on gère à peu près bien le positionnement. Et c'est juste que de trouver la bonne arme qui correspond au bon moment, dans le fond de l'action, dans le feu de l'action, c'est pas gagné quoi. Oh, faut que je me remette des émotions, c'est tout bien. Oh, ce jeu, mes aïeux. Ah, c'est un crazy, on s'en va le terrain.
Oui, faut pas oublier de loquer, mais du coup ça vous enlève un doigt de la gâchette et c'est tendu. Parce que pendant que vous faites ça, bah vous ne tirez plus, quasiment. Oh putain le bordel. Oh la vache, je les ai sentis ceux-là. Oh le bordel. Que d'émotion. Il faut loquer à mort sur celui-là, il faut loquer à mort. Et je vais avoir un problème avec les trucs là-bas à ce côté. Je sais pas où je suis. Je trouve que je m'en sors bien pour un mec qui fait à peu près n'importe quoi. Oh, un nouveau copain. Faut pas que je passe dans son gros tir au milieu. Oh putain, c'est le bordel quand même. Sérieux. Oh là là, oh là là. Oh. 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 C'est pas fini. Oh ce jeu. ボディに荷重めか完全装備。
史上初の磁力システム搭載照度級高圧金属厚さ 1.2mm 超金属鉄人28号今コピーより堂々完成。Oh, ce jeu. Alors, je regrette vraiment pas de découvrir Astrobride pour cette semaine des spéciales méca. Oui, le jeu est sorti il y a un bon bout de temps quand même, ça doit être 2016, je crois. Et du coup, j'avais pas du tout fait attention à ce titre. Et c'est vrai que, si on m'avait dit, parce que Shmup plus Mecha avec Monsieur K, franchement, c'est parfait quoi. Et une bière. Là là. Comme c'est tendu. Alors on lock beaucoup, hein. On lock beaucoup dans ce jeu, c'est incroyable. ファイルーンが望むものを差し出す代わりに、カリソニア安寧を得、ファイルーンの矛盾を。
Alors vous avez peut-être remarqué, Monsieur K ne parle pas, mais alors pas du tout. Je vous explique après. Hein. Je vous commenterai ce qui s'est passé parce que je dois vous avouer que je suis un petit peu à fond dedans. Ça bastonne derrière, ça bastonne derrière. Ouh là là. Fallait pas croire que j'allais me laisser faire quand même. Ce jeu, mes amis, ce Astebrid. Mais comment je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Alors les combats sont bien bordéliques, c'est ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est ce que vous avez sûrement remarqué. Et du coup, le jeu mériterait quand même qu'on le teste dans un mode un petit peu plus énervé, qui va demander de la finesse, parce que je pense que quand même, ce choix d'armes, on jongle en permanence avec trois armes minimum, quoi. C'est très particulier, et je pense que dans les milieux avancés... j'aurais dû me taire, je me tais, on en reparle après. Je pense que je vais pas voir la fin de ce niveau, logiquement. Parce que niveau lisibilité, je vois plus où je suis très souvent. Ça arrive très très souvent, et c'est bizarre, c'est grave, c'est inquiétant. Oh, comment je me suis fait bananer. Bonne santé surtout. Ah, j'aurais dû garder mon médiateur, nom de Dieu, j'ai fait une connerie. Voilà, là j'en aurais besoin. Oh la vache! Je sais plus où je suis. Bon, le fait de locker les ennemis, il y a un petit côté raise, c'est vraiment perturbant. Ah, il y a vraiment beaucoup trop de trucs à flinguer à l'écran. C'est indécent. C'est totalement indécent.
Alors heureusement qu'on a une grosse tolérance sur notre propre bouclier parce que... Ah. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ce portail. Il s'est barré mon portail. Ah, ah, un jour je saurai. Ah, je suis coincé entre les tirs. C'est indécent la quantité de choses qu'il faut gérer en même temps. Alors là, je suis en niveau normal. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça va être difficile? J'ose même pas y songer en fait. J'ai toujours ce portail, je sais pas à quoi ça sert. Alors vous allez me dire, Monsieur K, t'es super bon, t'es toujours pas mort, t'as déjà joué. Ah, en fait non, j'ai vraiment jamais touché ce jeu. Et je pense qu'en mode normal, il est fastoche, quoi, parce que normalement, je devrais être mort déjà 18 millions de fois, quoi. Ah, il se réveille le truc là-bas. Ah, mon de Zeus. Ce bordel. Heureusement que j'ai mon... Oui, j'ai compris qu'il fallait utiliser mon épée à outrance. Hein. Vous avez vu, j'arrête pas de m'en servir depuis le début. Ah, ah, ah. Je vais prendre cher. Il n'y a même pas de jauge sur ce boss, enfin si, mais elle descend à deux à l'heure. Quoi, c'est quoi ce bordel? Ah, je vais crever. Cauchemar, ça serait de regarder le stream d'un mec qui est en train de scorer ce jeu, carrément. Parce que tout ce qu'il y a à gérer en même temps, c'est quand même méchamment chaud, quoi. Heureusement, j'ai libéré un petit truc qui va être sympa, j'imagine. Ça doit être un nouvel ami, je pense.
Il y a des séquences où il vaut mieux loquer, il y a des séquences où il vaut mieux tirer. Et je dois vous avouer que le tir, je m'en sers moins souvent que le loquer. Hein. Ça doit se voir un petit peu à l'écran. Je peux plus loquer sur ce niveau. Ah, comme je suis pas content, un peu cher. Je suis en piteux état, ça va être terrible. Non, je vais quand même pas me cracher comme une pauvre. Une pauvre méduse. Ce jeu, mes amis, mais il fallait prévenir que j'allais tomber sur ça. Pourquoi personne m'a rien dit? それで今何しようとしてるか分かってんの?だから うれしかったぜ。そうか。俺は殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの?壊せないよ。どんな姿だろうと俺たちは同じ父親を持つ 家族なんだ。何を言い出すの?ここに来るまで、俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない。帰る家だ。そうだろ?フィオ、どうして?確かに、今の私たちは望まない姿なのかもしれない。 Bon, allez, viens, on va sous la douche maintenant qu'on a bien pleuré.
Ça se tente hein, quand même, ça se tente toujours. Oui, je suis vénère. Je vous explique après, hein. Je peux pas parler en même temps, c'est impossible. Je vois plus où je suis, c'est le bordel. Oh,
Ah, je meurs, je me meurs. Il fallait bien que ça arrive. Je regarde le chrono. Ce jeu vient de me tenir 50 minutes. Franchement, foncez dedans. Vous aimez les shmups, vous aimez les mechas, vous allez être servi total. Vous aimez les boucaquets de boulettes. C'est une aura diable. Et là, je suis en mode normal. J'ose pas imaginer ce que ça va donner si un jour j'aborde le mode difficile. On va sortir. On va s'expliquer au calme. Oui, regardez-moi ces belles stats de carnage. C'est extraordinaire. Je m'attendais pas à une telle surprise avec Astebreed. Hein. Je m'attendais à un petit jeu qui voulait se la péter un petit peu sous certains côtés. Et en fait, je suis ravi, quoi. Regardons la galerie au calme. Alors, des critiques, il y en a toutefois. Parce que bah, vous avez bien observé, c'est fouillis. Il y a un nombre de commandes à gérer, mine de rien. C'est pas de la science, mais trois tirs en même temps. Ça demande une petite gestion un petit peu particulière pour s'en sortir. Surtout qu'il faut contrer certaines choses avec l'épée. Il faut rester offensif avec le tir normal qui finalement ne sert pas à grand chose. Et qu'il faut bien penser surtout à loquer les ennemis. Parce que là, on a une puissance de tir qui est vachement intéressante. Et le tout en se déplaçant sur l'écran. C'est assez tendu, et ça demande une petite habitude, j'imagine. Les trucs bien, bah, c'est que du coup, c'est jouable. Ils ont fait un mode normal qui est relativement accessible à la personne qui le découvre, la preuve ce soir. Et du coup, oui, on a envie de revenir jouer de temps en temps là-dessus pour essayer de s'améliorer, et puis de mieux comprendre et mieux gérer les ennemis. Parce que j'imagine qu'à chaque ennemi, il doit y avoir une réponse adaptée qui correspond plus à un max de dégâts pour s'en débarrasser rapidement. Vous avez vu comme l'écran est super encombré, quoi. Donc ce Astebreed, c'est vachement bien. Je le recommande à tout le monde. Cette semaine, lundi, vous avez eu Ex Machina. Mardi, vous avez eu Zone of the Enders. Aujourd'hui, vous avez Astebreed. Et la semaine n'est pas finie, il y a encore deux jours. Donc, il y a encore deux autres émissions avec des mechas que je vous laisse découvrir. À demain, 19h sur le canal. Ciao!